comment rentrer, s'installer au Cameroun, en Afrique de manière générale. Donc dans cette vidéo, nouvelle vidéo, je vais te parler un peu de mon retour d'expérience suite à... C'est quand que j'ai quitté le Cameroun, en 2008. Donc voilà, ça fait 2008, là au moment où tu vas regarder la vidéo. Ça fait plus de 12 ans. Et ça fera encore beaucoup plus lorsque tu regarderas la vidéo dans quelques années. Mais voilà, comment ça s'est passé, comment j'ai préparé les choses, etc. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont posé cette question justement sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram ou sur LinkedIn, je t'invite à t'abonner à mon compte. Donc justement, avant de commencer, avant de répondre à cette question, je t'invite justement à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs immobiliers partout en francophonie. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube justement à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et à faire découvrir cette chaîne justement à des personnes comme toi qui souhaitent entreprendre et investir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car justement, tu sauras comment j'ai pu mettre en place plusieurs leviers d'enrichissement qui m'ont permis aujourd'hui de devenir libre financièrement en seulement 3 ans après être arrivé au Canada et aujourd'hui de pouvoir rentrer ici au Cameroun pour plusieurs mois afin de lancer justement de nouvelles activités. Se retrouve pas loin de chez moi à Douala. Donc je suis rentré justement pour lancer de nouvelles activités en immobilier et dans le digital. Donc justement, comment s'est passé mon retour en fait, comment j'ai pu aujourd'hui en plein Covid, en pleine situation de crise, lancer de nouvelles activités, recruter des personnes, faire une croissance en termes d'investissement immobilier, en termes de business. Donc qu'est-ce qui a permis ça en fait? Et je vais un peu te faire une rétrospective, donc je sais que je me répète beaucoup par rapport à ça. Mais voilà, moi, il y a de cela quelques années, je vivais ici et j'ai pu justement investir en immobilier après mes études en fait. Donc, j'ai étudié à Paris, puis en Angleterre. J'ai travaillé dans des cabinets d'audit, donc 60 heures par semaine. Je te laisse imaginer ce que c'est. Et ça ne m'a pas empêché justement de me poser les bonnes questions, de me dire que bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais toujours travailler comme ça pour un patron ou est-ce que je vais pouvoir mettre sur pied des activités? Je n'avais pas encore d'idée de ce que je voulais faire et c'était très compliqué, tu vois. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur des leviers finalement qui permettent de devenir libre. Parce qu'une fois que tu es libre en fait, c'est là que plein d'opportunités se présentent à toi. Tu commences à devenir plus créatif, tu commences à avoir pas mal d'idées, tu commences justement à tester pas mal de choses en fait. Donc moi, j'ai pu investir en immobilier. Après l'immobilier, je me suis lancé sur internet, donc j'ai lancé pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, on a un groupe de 7 entreprises avec une cinquantaine de collaborateurs et partenaires d'affaires finalement. Et voilà, j'ai pu mettre en place pas mal de choses dans le domaine de l'investissement et dans le domaine du digital. Donc aujourd'hui, je suis rentré au Cameroun. Je suis rentré à Douala. J'ai pu justement vivre cela de façon assez, bonne, je dirais. Parce que je me suis renseigné auprès d'amis à moi qui sont rentrés. Ils m'ont dit oui, le pays c'est dur. On va t'escroquer, il faut faire attention, etc. Le bon côté de ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas venu me chercher en fait. Tu vois, je ne suis pas venu me chercher. C'est que lorsque je suis rentré, en rentrant, je savais exactement ce que je voulais faire. Il y avait même déjà des activités qui étaient en place. Donc, on avait déjà une équipe en place, même si on bossait à distance. Mais on avait déjà une dizaine de personnes ici au Cameroun, entre Douala et Yaoundé. On a des personnes au Congo, on a des personnes partout, Belgique, Algérie, États-Unis, Canada, France. Donc voilà, on est un peu partout. Et justement, ça... J'étais déjà prêt en fait. Donc, je ne suis pas venu ici en mode oui, est-ce que je vais chercher la bonne opportunité d'affaires? Je vais commencer à tester le marché. Le marché, il est existant. C'est pour ça qu'on est rentré en force dans le domaine dans lequel on est en train de se lancer parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire et qui et comment le faire en fait. Et c'est ce que je veux te dire en fait dans cette vidéo, c'est que justement, il faut que tu puisses, avant de rentrer, mettre en place un système qui te permet justement d'avoir le choix. Le choix de tester des choses, le choix de faire des erreurs parce que c'est sûr que avant même de lancer ces activités-là, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, etc. J'ai investi de l'argent. Bon, même si sur le digital, ce n'est pas très important, tu vois, mais j'ai pu faire quelques tests. Et finalement, ça me permet aujourd'hui de rentrer et de ne dépendre de personne, en fait. La plupart des clients qu'on a, c'est des clients internationaux. Les clients locaux qu'on a, c'est des gros clients, entre guillemets. Commencer à se chercher comme ça, ce n'est pas trop ce dans quoi je fais.
heureusement. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu bizarre, mais nous, on n'a pas eu du mal à s'implanter. Et notre activité, vraiment, elle va croître encore et encore. Donc voilà, c'est vraiment ce vers quoi je vais t'amener. Et le seul moyen pour toi de pouvoir rentrer de façon, entre guillemets, avec un esprit aussi tranquille, c'est d'entreprendre ou investir, tout simplement. Et moi, je te recommande bien évidemment, si tu veux entreprendre, d'entreprendre d'abord dans le domaine du digital. Parce que dans une situation comme celle-ci, c'est le digital qui permet justement de pouvoir accélérer tes projets, de pouvoir justement tester des choses, de pouvoir promouvoir tes produits et services à plus grande échelle. L'immobilier aussi, ça te permet de potentiellement, avant même de vouloir te bâtir une retraite, avant même de vouloir devenir libre financièrement, cherche d'abord à mettre en sécurité ton avenir. Grâce à l'immobilier, tu peux te bâtir une retraite très confortable. Grâce à l'immobilier, tu peux mettre à l'abri de tes parents. Grâce à l'immobilier, tu peux assurer tes vieux jours, etc., etc. Et ce n'est qu'en second plan que tu vas te dire que l'immobilier va me permettre de devenir libre financièrement. Si tu te fixes comme objectif de pouvoir résoudre des problèmes futurs sur le long terme, sur le court terme, tu auras beaucoup plus de résultats. Parce que ça va te permettre dès le début de mettre la barre haute en fait. Tout simplement. Donc, c'est cette vidéo que je voulais te faire. Donc, comme tu vois, elle est un peu, improvisée. Et voilà, je voulais un peu te donner mon retour d'expérience par rapport à ça et justement te dire que aujourd'hui, tu peux rentrer et ne pas avoir de stress en fait. Ne pas avoir de stress au niveau des finances, ne pas avoir de stress au niveau du temps, ne pas avoir de stress au niveau de ton emplacement géographique, etc. Et tu vois, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je te garantis que d'ici 2-3 ans, tu verras qu'on sera, je te dirai exactement la même chose lorsqu'on ira s'implanter en Côte d'Ivoire, lorsqu'on ira s'implanter au Sénégal, lorsqu'on ira s'implanter au Congo, car on connaît la formule, on sait que ça va marcher et il n'y a plus qu'à dupliquer et aller de l'avant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé, n'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et on se dit à très prochainement. Ciao.